Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer ses favoris dans Chrome. Donc, je vais ouvrir mon navigateur Internet et nous allons mettre dans nos favoris le site L'Équipe. Donc, première chose à faire, il faut aller sur le site à ajouter en favoris. Attention! Là, je ne suis pas encore sur le site de L'Équipe. Je suis juste sur une page de résultats de recherche Google. Je le sais parce que dans la barre d'adresse, il est indiqué google.fr. Je dois donc cliquer sur le lien pour me rendre sur le site en question. Je suis maintenant sur le site que je souhaite ajouter à mes favoris. Donc, je vais pouvoir maintenant l'ajouter à ses favoris. Pour cela, il me suffit de cliquer sur l'étoile qui se trouve au bout de la barre d'adresse et on retrouve une fenêtre qui ressemble énormément à celle que nous avons vue dans Edge Beta. Je vais donc modifier le nom. Alors moi, je vais supprimer tout le superflu. Le dossier, par défaut, il est dans barre des favoris. Par contre, si je veux mettre ce site dans un dossier qui soit un dossier qui s'intitule Actualité, je vais pouvoir cliquer sur barre de favoris, donc sur le menu déroulant. Je regarde si mon dossier Actualité est déjà créé. Ce n'est pas le cas. Donc je vais faire choisir un autre dossier. Je retrouve cette fenêtre, le nom de mon favori, l'adresse URL du site. Moi, je veux mettre un dossier actualité dans la barre de favoris. Donc, je clique sur barre de favoris et ensuite sur nouveau dossier. Je l'intitule actualité. Je valide avec la touche entrée de mon clavier et je peux enregistrer. Dans ma barre des favoris, je retrouve bien mon dossier actualité. Je veux maintenant mémoriser les sites internet qui me permettent de voir des émissions télé en replay. Par exemple, je veux ajouter Sisplay et MyTF1. Je vais donc me rendre sur Sisplay. Je clique sur le lien pour accéder au site. Je suis bien sur le site que je veux ajouter aux favoris. Je vais donc cliquer sur l'étoile. J'enlève le superflu. Et le dossier, il me donne le dernier dossier dans lequel j'ai ajouté un favori. Là, je vais cliquer sur le menu déroulant. Je n'ai pas de dossier replay encore de créé, donc je vais faire choisir un autre dossier. Je retrouve le nom, l'adresse URL, je vais recliquer sur barre de favoris et je vais refaire un nouveau dossier que je vais intituler replay. Je valide avec entrée au clavier et j'enregistre. Pour mettre MyTF1, donc je vais sur le site. Une fois sur le site, je recommence l'opération, l'étoile au bout de la barre d'adresse, je modifie le nom, le dossier, je vais cliquer sur le dossier replay et OK. Maintenant, si je clique sur actualité, je retrouve bien l'équipe et sur replay, je retrouve bien Sisplay et MyTF1. Il vous suffit maintenant de reproduire l'opération pour tous les sites internet que vous souhaitez ajouter à vos favoris. Si jamais vous voulez réorganiser vos favoris, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite, de vous rendre sur favoris, gestionnaire de favoris. Sur la colonne de gauche, vous avez toute l'arborescence avec les dossiers que vous avez pu créer.
Si je clique sur replay, je retrouve bien 6 play my TF1. Si jamais j'avais mis un site au mauvais endroit, il suffit de cliquer dessus, de rester appuyé et de le glisser dans le dossier correspondant. Donc par exemple, là je vais mettre 6 play dans actualité. Il n'est plus dans replay. Si je clique sur actualité, je le retrouve au bon endroit. Donc je le remets dans replay. Si je veux supprimer un des sites que j'ai mis en favori, vous avez au bout de la ligne trois petits points. Il vous suffit de cliquer dessus et vous pouvez supprimer ce favori. Donc maintenant, à vous d'organiser vos favoris sur Chrome. Nous en avons terminé pour ce tuto. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment enregistrer des podcasts qui sont proposés par des sites internet. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.